encore un grand Afrique, un paysan de demain. Constitution, oui, Yakono, comme Moussolta, Del Franta Yakono, Pesanya Ferre, car Anna Del Yabara. Nous nous sommes engagés d'ici 2023 à créer 100 000 jeunes entrepreneurs. Je dis bien 100 000 jeunes entrepreneurs. Pourquoi on va l'engagement en 2023 que 100 000 entrepreneurs jeunesse ont le créé. La jeunesse guinéenne est capable. Je vais vous montrer un exemple. La Banque mondiale a voulu nous acheter un logiciel en Corée du Sud pour suivre les contacts. Un jeune guinéen a fabriqué ce logiciel à Conakry et c'est ce logiciel que nous utilisons pour suivre les contacts. La Banque mondiale t'a fait que le logiciel de Sanyé, Corée du Sud, en la Guinée de Ling, à logiciel, en Kaou de Sang. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans la quatrième révolution industrielle. C'est-à-dire la révolution des nouvelles technologies. Et les jeunes sont forts dans ces nouvelles technologies. C'est pourquoi je fais des vidéoconférences pour que la jeunesse voit que c'est ça la quatrième révolution. Bien sûr, le rêve du Dut, il fait ça parce qu'il ne peut pas sortir, il est malade. Mais c'est pour vous montrer que la Guinée avance dans la quatrième révolution industrielle. Je me rappelle, pendant ma campagne, quand j'étais opposant, j'ai dit à Zéro Corée que les étudiants peuvent être à Zéro Corée et suivre un cours à Paris ou à Londres. Ils ont dit c'est faux. Je leur ai demandé, quand Real Madrid joue contre Barcelone, est-ce qu'ils ne regardent pas le match en même temps que les gens qui sont à Madrid? Ils ont dit oui. J'ai dit alors, vous voyez. Comment on a dit? Moi, je suis Madrid, je suis pas longtemps ma je suis Troisièmement, c'est une concession écologique. La Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Si nous coupons nos arbres, nous allons devenir un désert. C'est pourquoi nous allons planter des arbres partout, tout au long de toutes les frontières, réhabiliter la forêt des diamants et toutes les forêts de Guinée. Et enfin, la Guinée est le château d'eau de l'Afrique, les dit. Comment sera-t-elle? Guy, quoi, Mister Fentenier, Africain, a bien connu la Guinée. Maintenant, quand face à Guiritema, à Ibrahim, il faut que l'Ibrahim soit là qui s'y doit. Il faut que l'Ibrahim soit là. Il faut que l'Ibrahim soit là. Il faut que l'Ibrahim soit là. Montre la tête à la fois. Il faut que l'Ibrahim soit là. 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 Donc, je vais Guiritema. Je vais la conduire. Enfin, je ne vais pas laisser la Guinée à ces fossoyeurs qui nous ont. Tant fait du mal, je veux laisser la Guinée à la jeunesse. À la jeunesse. À la jeunesse. Qui n'a pas volé. Qui n'a pas pillé. Qui comprend le nouveau monde. Qui maîtrise l'informatique. Qui se remplit de la révolution. À la jeune, soyez prêts à prendre le pouvoir. Soyez prêts à prendre le pouvoir. Soyez prêts à prendre le pouvoir. Est-ce que vous êtes prêts à prendre le pouvoir? Vous êtes prêts à prendre le pouvoir? Vous êtes prêts à prendre le pouvoir? Alors, la Guinée sera parmi les pays africains les mieux nantis dans cette quatrième révolution. Jeunesse le moi, dîner en
Ne jetez pas de pierres sur quelqu'un. N'incitez pas quelqu'un. Ne cassez rien. La politique, c'est une confrontation d'idées. Alors, nous voulons que les élections se passent dans la paix, la tranquillité et la solidarité. Car personne ne viendra construire la Guinée à notre place. C'est nous qui devons construire. Laissons les jeteurs de pierres. Nous, nous sommes pour une Guinée pacifique, solidaire, où tous les Guinéens se sentent des frères, des sœurs. Enfin, ne prenez pas la légère cette maladie du coronavirus. C'est une maladie que vous ne prenez pas au sérieux. Mais c'est la première fois dans l'histoire qu'aucun pays musulman n'a pu envoyer des pèlerins à la Mecque. Aucun pays chrétien n'a pu envoyer des pèlerins à Rome ou à Jérusalem. Donc, ne prenez pas cette maladie à la légère. Nous avons dit qu'il y a un peu de temps. Il ministre Jambana, mon Kelema Morawa Maka, Catherine Jambana, mon Kelema Morawa Rome ou Jérusalem. Donc, à Kanaké Tolondi. La dernière fois, l'église protestante a été cassée. La mosquée de Drota a été cassée. La maison de l'imam, la fosserie du sage et le domicile de David. J'ai déjà envoyé 5000 feuilles de tôle qui sont là. Et 250 tonnes de ciment pour commencer à les reconstruire. Professeur Alpha Condé, Kafo, Ko Obe, Nele de Matin, Nele avec conséquence. Bah, l'outil, ni de nous à la produite. Anatel de la kilomètre, voilà. Mais y'a que dit. Bah, à Béine de la Donifor, Faton Yaro, Aklima Yaro, Yvonne de Nala à Béboro. Quoi, Brana, tout ni fait nous dit. Pour que, si on lui paye la dernière main, à n'y a pas le blague, il faut qu'elle dit, qu'à donc qu'elle dit, qu'à bon qu'elle dit. J'ai tout remis à Bangal Kuruma, il est assis là. Nka Bédo Bangal Kuruma Bolo, Aya. Jeunes et femmes, levez-vous, allez de maison en maison, assurez-vous que chacun a pris sa carte. Car cette élection c'est pour vous, c'est pas pour les ministres. Alors, c'est vous qui devez vous lever. Allez voir vos jeunes, vos copains, vos amis, que tout le monde prenne sa carte.
et toutes les femmes prennent leur carte et les 18 qu'on entende au moins que je leur ai fait au moins 95%. 95%. 95%. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Non, 100% c'est pas possible parce qu'il y a des malades. Vive la jeunesse de Zéro-Corée. Vive les femmes de Zéro-Corée. Vive les sœurs de Zéro-Corée. Vive, vive la solidarité entre les gens, le peuple de Zéro-Corée. Vivez en paix. Votez en paix pour que Zéro-Corée puisse se développer. Je vous remercie de cette grande mobilisation.